Je viens ici pour parler un peu de l'UFDG, de ce qui se passe avec ceux qui se disent amis cercle de Oussouf Alima. Nous allons parler d'eux parce que la récréation est terminée. La récréation est terminée, mes chers compatriotes. Ousmane Gawal et Mamadi Doumbouya, ils ont eu impact. Écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez très bien ce que je vous dis. Partagez maximum, mettez les cœurs, sécurisez la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez, c'est très important que les militants et sympathisants de l'UFDG sachent ce qui se passe. Là, c'est-à-dire, il faut qu'on explique bien le fait que Ousmane Gawal a créé une association qui s'appelle Cercle de Ousmane Gawal, association Amis d'Ousmane Gawal. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, il peut faire ça, il n'y a pas de problème. Vous qui parlez, par exemple, j'ai écouté quelqu'un qui est au Sénégal, je ne vais même pas dire son nom, qui parle qui essaie de faire semblant de menacer, parce que pour moi, il fait semblant de menacer, soi-disant qu'ils ont pris des avocats, le meilleur avocat au Sénégal, pour valoir leurs droits. Mais ce que vous oubliez, c'est que personne ne vous a interdit vos droits. C'est-à-dire, vous voulez jouir de vos droits, vous êtes libre. Vous pouvez exercer vos droits sans problème. Mais personne ne va vous interdire de jouir de vos droits. Il n'est pas question. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que c'est quand vous voulez se foutre des gens. C'est-à-dire, vous avez, comment dirais-je, vous étiez dans un parti politique, maintenant, vous êtes expulsé du parti, vous voulez quoi maintenant? Vous voulez se foutre des gens. Donc, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit clair. Vous qui parlez au nom de la démocratie, tel que dans cette vidéo, la personne qui parle ici, au nom de la démocratie, écoutez, au nom de la démocratie. Voilà. Il dit, ceux qui sont au devant du parti, c'est-à-dire quand tu les amènes au contraire, quand tu les amènes vers le contraire, eux, ils ne sont pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que la démocratie n'existe pas dans le parti. C'est ce qu'il veut expliquer ici en Poulard. Donc, mon cher ami, si vraiment c'est le porte-parole du gouvernement criminel, Ousmane Gawal, lui que vous soutenez, si c'est lui qui va nous amener la démocratie, la liberté, jouir de nos droits, c'est-à-dire que vous vous foutez de nous.
Mais vous vous foutez de nous. C'est pas Ousmane Gawal que vous allez imposer, soi-disant que vous voulez la démocratie. Ousmane Gawal qui nous a coupé l'Internet. Ousmane Gawal qui nous a coupé les médias. Ousmane Gawal aujourd'hui qui est expulsé du parti. Après un an, il revient ici encore pour foutre la merde. C'est lui que vous voulez nous imposer. Vous dites que vous êtes dans le parti, vous êtes des militants de dernière heure, vous êtes des militants de première heure, pardon. Vous voulez dire que vous êtes des militants de première heure? Mais non, attention, attention. Ne confondons pas les choses. C'est-à-dire, ici, vous ne parlez pas d'une association. Ici, vous parlez de l'UFDG. Et ça, c'est terminé. La récréation est terminée. Vous ne pouvez pas parler au nom de l'UFDG. Vous êtes expulsé du parti. Un point barre. Au Sénégal, il y a la loi. Là-bas, ce n'est pas le jungle. Nous ne sommes pas en Guinée au Sénégal. Voilà. Si vous avez pris le meilleur avocat du monde, vous ne pouvez pas aller foutre la merde dans la maison des autres. Ça, c'est interdit. Voilà. Si vous êtes vraiment... D'abord, là, vous me décevez. Quand vous parlez au nom de... C'est comme si vous êtes, comment dirais-je, quelqu'un au nom de la démocratie, alors que vous partez foutre la merde dans la maison de quelqu'un, qu'est-ce qui veut dire foutre la merde dans la maison de quelqu'un? Vous ne pouvez pas utiliser le nom de l'UFDG. Ça, c'est interdit. Seul le fédéral, le secrétaire général de l'UFDG au Sénégal, c'est lui qui peut organiser ce que vous êtes en train de dire, ce que vous voulez faire là-bas, c'est lui qui peut organiser. Les t-shirts, les casquettes que vous avez vu, on vous a interdit de les porter. Parce qu'il y a la loi. La loi vous a interdit de les mettre parce que vous ne dirigez pas l'UFDG. L'UFDG a un président. L'UFDG a des fédérations. Et vous êtes expulsé de ces fédérations, de ces structures. Vous êtes expulsé. Donc vous ne pouvez pas parler au nom de l'UFDG. Arrêtez de se foutre, arrêtez vous-même de semer la pagaille. C'est vous qui êtes en train de semer la pagaille et vous dites que Wokala won do bi bemu. Si ta wi ari yinni comme wi comme wadata. Allah taw ko wi don o waday gonko ko moji. Sin hadum wallahi on watata. Si ta wi ko e bu don ko na ko moji on wawata watta de t-shirt du UFDG. C'est pas possible. On wata wata de t-shirts du FDG, on autorise Zaka. Wado meeting Sénégal, on wata wonde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Yete avocat, burdo hombode. Ina onon jogi légitimité wadu gol dun don. Donc il faut andon wondema, bandiagal ko wondu don kon, immin do ongo, Mamadi Doumbouya et Ousmane Gawal. Ça a dit onon ko woni, on jonama mboudi hidon golude. Maintenant, vous voulez montrer que vous êtes des patriotes, vous êtes des démocrates. Non, c'est archi faux. Vous n'êtes pas des démocrates. Les démocrates, les gens qui combattent pour vraiment l'intérêt général, les gens qui ont une conviction, qui combattent pour l'alternance en Guinée, pour les libertés en Guinée, ça c'est nous. C'est nous qui pouvons dire ça. C'est pas vous. Nous, centimes, on ne nous a pas donné. Un centime, on ne nous a pas donné. Nous, on combat pour l'intérêt général. On combat pour notre nation, pour notre patrie. C'est pour cela, vous allez avoir toutes les difficultés. Parce que nous, on n'attend pas qu'on nous paye. Nous, on n'a pas affaire avec des voyous. Nous, c'est notre patrie qui nous importe. Et nous ne pouvons pas confier notre parti politique à des voyous. Est-ce que vous pensez que nous sommes des... C'est-à-dire, comment vous pouvez penser que nous, on peut prendre l'UFDG, remettre ça à Ousmane Gawal? Mais ce n'est pas possible. Mes chers compatriotes, excusez-moi, mais il y a ici des gens qui soutiennent Ousmane Falima. Sincèrement, ils ont perdu le Nord. Ils ont perdu le Nord. Donc, ces gens-là disent qu'on les menace. Ils disent qu'on les menace, qu'ils en ont marre, qu'on ne peut pas les menacer, qu'à partir de maintenant, ils ont pris un avocat, c'est rentré là. Mais non, l'avocat que vous avez pris, lui-même, il va vous conseiller.
de ne pas aller foutre la merde dans la maison de quelqu'un. Dans la maison là où ça ne vous appartient pas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire cette maison? C'est-à-dire aller organiser un meeting au nom de l'UFDG, c'est rentrer dans la maison de l'UFDG. Si vous ne savez pas ça, je vous le dis. Et nous, on ne va pas vous permettre cela. Vous ne pouvez pas porter les t-shirts de l'UFDG, les casquettes de l'UFDG à Dakar et vous faites au nom de Ousmane Gawal. Il est expulsé du parti. Vous ne pouvez pas comprendre ça? Ousmane Gawal est expulsé du parti. Et vous qui le suivez, parce qu'aujourd'hui, il est au pouvoir, il est avec le président de la transition. Imaginez-vous bien, vous qui parlez au nom de la démocratie. D'abord, si vous parlez au nom de la démocratie, dites à Ousmane Gawal de démissionner d'abord. Si vous êtes des démocrates, si vous êtes vraiment des légalistes, Ousmane Gawal, c'est le contribuable guinéen qui lui paye chaque fin du mois. Ousmane Gawal, il ne doit pas, c'est-à-dire il ne peut pas être candidat si ce n'est pas le banditisme, si ce n'est pas... Dumbuya qui a renversé tout. Ousmane Gawal, aucun membre du gouvernement ne peut être candidat. Ça, c'est déjà signé. Les Guinéens le savent. C'est ce qu'ils ont juré devant les Guinéens. Aujourd'hui, vous, si vous étiez de bons Guinéens, si vous étiez du côté de la vérité, comme vous luttez pour la vérité, vous faites un combat noble, pourquoi ne pas dire à Oussou Falima, hein? Pourquoi ne pas dire à Oussou Falima d'arrêter de voler l'argent du contribuable, d'arrêter de prendre l'argent des Guinéens pour manipuler des militants de l'UFDG? Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire ça si vous êtes des légalistes? Pourquoi vous ne pouvez pas dire arrête de détruire le parti? Crée ton propre parti. Ousmane Gawal, s'il crée son propre parti, mais il est libre, allez-y le suivre où vous voulez, il n'y a pas de problème. Même, c'est-à-dire nous, même s'il crée son parti, s'il n'a pas démissionné, on va le suivre. Pourquoi? Parce qu'il doit démissionner. Sinon, même dans son parti, il ne doit pas intervenir là-bas. Parce que c'est un voyou, tout simplement. Sinon, vous ne pouvez pas dire que le parti UFDG n'appartient pas à Sellou d'Alain Diallo. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vous répondre ici? Vous pensez que la Guinée appartient à Ousmane Gawal? Vous pensez que la Guinée appartient à Ousmane Gawal? Vous dites que la Guinée, l'UFDG n'appartient pas à Sellou. Nous, on vous demande maintenant. Vous pensez que Ousmane Gawal, la Guinée l'appartient, lui et Doumbouya? Donc, vous qui êtes en train de soutenir aujourd'hui Ousmane Gawal, vous allez le regretter, mes chers compatriotes. Vous allez le regretter. Parce que le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, il n'y a pas un pouvoir plus contesté que le pouvoir de Mamadi Doumbouya. En Afrique, il n'y en a pas. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est 98% des Guinéens qui ont dit non, qu'ils ne veulent plus de Mamadi Doumbouya. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, soutien Mamadi Doumbouya, c'est des voyous qui le soutiennent. Soutien Ousmane Gawal, c'est des voyous qui le soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, tous nos compatriotes qu'ils sont en train de tuer, les kidnappings, les gens emprisonnés qui n'ont rien fait, vous pouvez soutenir Ousmane Gawal, le porte-parole du gouvernement. Vous voulez vraiment, c'est-à-dire dire que Ousmane Gawal, il mérite de prendre l'UFDG parce qu'il est démocrate? Ou bien c'est parce qu'il est bandit? Donc vous voulez confier le parti maintenant à un bandit. Donc voilà maintenant, vous dites par là que c'est seulement cette personne qui a décidé l'expulsion d'Ousmane Gawal. Mais moi je vous demande, depuis que Ousmane Gawal est expulsé, est-ce que vous avez vu un seul membre du bureau exécutif de l'UFDG qui a contesté, même si c'est cette qui a validé, même si c'est une personne qui a validé? Est-ce que les autres ont contesté? Est-ce que Ousmane Gawal, il avait contesté? Non. Jusqu'à un an après, il n'a pas contesté. Donc ça veut dire quoi? C'est tout simplement parce que c'est un fouteur de merde. Donc c'est pour cela aujourd'hui il revient pour nous emmerder. Voilà.
Donc, si lui, il était un bon démocrate, il allait laisser l'UFDG tranquillement et aller chercher, comme il l'avait dit à Baouri, quand Baouri voulait revenir dans le parti, lui-même Ousmane Gawal, il a dit à Baouri, même si la justice te donne raison, nous, on n'a pas besoin de toi. Parce que ça dit, c'est les militants qui font le parti. Ce n'est pas Sellou qui fait le parti, c'est les militants. C'est les militants qui ont besoin de Sellou. C'est ce que vous vous oubliez, ou bien vous ne connaissez pas ça. Vous connaissez, c'est parce que vous avez l'argent, on vous a donné l'argent, vous faites semblant. Mais vous savez que c'est les militants qui ont besoin de Sellou. Et moi, aujourd'hui, je viens vous dire, ce n'est pas seulement les militants de l'UFDG qui ont besoin de Sellou. C'est la Guinée qui a besoin de Sellou. C'est la Guinée qui a besoin de Sellou. Donc, mes chers compatriotes, ils ont, comment dirais-je, ce gars-là, comment dirais-je, ce gars qui a fait cette vidéo-là, il est même venu dans mon privé pour me parler, essayer de me faire peur, je ne sais pas quoi, me menacer, mais il est mal tombé parce que voilà, moi, j'ai même pas commencé d'abord. Moi, j'ai même pas commencé le combat d'abord. Là, nous allons venir maintenant en poulard. On a aussi bien. On dit, oh, what the vidéo do? On a dit qu'au privé, on mène à ce goal-là. Wow. Wow, quoi, il m'a dit. Wow, si t'as m'a dit, Charlie, wow, quand il be yogi avocat, wow, quand il be hulata et goto, quand il pousse me wa wanabe, goto wa tabe amadou, mais n'y a donc, si t'as hauri, on va aller qu'au hadakon. Si t'as yoye, on va tiquer, t'es sorti du goto, on m'a dit, t'es sorti du goto, parti politique mondial. On est nio qu'on représente tout le monde. Et ni les dit qu'on anda qu'on attire à partir. On a dit on a dit que ça tient. Parce qu'il y a quoi tient à on. Donc, harai, on a bien dérivé. Donc, il n'y a pas ma, on a eu de mari avocat, de wadi ni, avoir happé tout le monde mort ya. Parce que combat on a fait là qui tao. Comme il n'y, na on tout. Quand il y a aduna au fop, la récréation est terminée. Hay goto watto tako t-shirt l'UFDG sina mo UFDG ko militant et sympathisant de l'UFDG watto to t-shirt yi e kepi yi UFDG be wada meeting o kambe tum nani mo jeya ko UFDG watta dum voilà si tawi yawri don fala dum on terto to pagayo voilà si tawi no wido do reclame de combien on dum do onon horebe wido be wonda ma ko min onon on fopon expulsa no ma derto vous n'êtes plus de l'UFDG c'est fini. Donc, bah, non, c'est rien au Sénégal. Donc, on dit qu'on est en Congo. Qu'on est en Congo, on va tout ton t-shirt. Parce que, on va tailler tout le t-shirt du UFDG. Watto donc, on est parti, on a quand même autorisé. Donc, ça ne marchera pas. Mais, comment dirais-je, qui def vidéo, bila, qui, nous, tout le dit ça. Banu. Mais, banu, yo, 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 mais, banu, yo. Yo, yo, nga du Sénégal, magé Sénégal, djangé Sénégal, wara top criminel bi pour yakh suñu parti yow nga yow au nom de la démocratie mais yow yaangi toutil sa bop mais c'est pas possible yow tiné pas yow yow dafa melni yow guiné nga judo guiné nga magué quoi mais mëno xalaté ni Ousmane Gawal parce qu'il t'a donné de l'argent c'est tout donc tu es prêt maintenant à détruire tout quoi. Au nom de la démocratie, au nom du mensonge. Et tu te permets de me dire que c'est moi qui est dans le faux, quoi. Moi, je te ressemble à quelqu'un de faux. Moi, je te ressemble à quelqu'un de faux. Man nourona, man nourona. Hein? Est-ce que man nourona a kui, 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 kui wahanto? Kui wahlu amul mana, man nourona nyonyo. Donc, fais attention, hein. Fais attention. Yo, linga de fumonek ni dingue rutudia. Yangi dugo funga munul gen. Parce que kepu kutopo Ousmane Gawal, dangay tro. Man malor lolo. Ousmane Gawal, de fou djechel. Gisnga khalis bumu ko djok. Gisnga mamari dumbuya, khalis bumu ko djok. Pour mou yaka parti bi. Pour mou djel parti bi. Djok mamari dumbuya. Ousmane Gawal, c'est pas parce que mon moi était parti bi de. Da fay jox Mamadi Doumbouya parti bi, mom dañ ko né après mom moy ñëwaat. Mais yeen lolu fan ngeen ko tek? Yeen da ngeen faté né militant yi ñom ñoo fa tek Sellou. Sellou, c'est-à-dire
c'est-à-dire c'est le Guinéen ñoko soxlo c'est le soxlawul sax parti bi mais militant ñoko soxlo yeen sen combat bi yep c'est au nom de l'intérêt personnel pas au nom de la démocratie. Vous faites votre combat pour votre propre intérêt. Comprenez. Donc, mais nous, notre combat, nous, c'est pour l'intérêt général, c'est pour notre patrie. C'est pour cela, nous, on n'a pas affaire avec ces loups. Nous, c'est nous qui imposons ces loups. C'est nous qui imposons ces loups. Donc, merci pour les cœurs. Merci, Mariama. Merci. Voilà. Donc, nous, c'est nous qui imposons ces loups. Ces loups, nous ne demandons rien. Ces loups, ça dit, nous, on ne demande rien à ces loups. Ils ne nous donnent même pas un centime. Mais c'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous, les Guinéens, qui avons besoin de ces loups. Voici la différence. Est-ce que vous savez combien de fois la Guinée est malheureuse depuis 1958? Nous, nous allons nous asseoir ici jusqu'à un homme d'État comme celui d'Alain Diallo. Vous allez venir ici dire que vous allez prendre un bandit, un voyou comme Ousmane Gawal, lui mettre en tête pour que lui la remette le parti à Mamadi Doumbouya, un criminel. Vous pensez que ça, c'est faisable? Ouais, mais vous rêvez debout. Ça dit, ce que vous êtes en train de faire, ça dit, ça s'appelle rêver debout. Ça ne marchera pas. On n'a même pas commencé d'abord le combat. On n'a même pas encore commencé le combat. Parce que c'est la récréation qui est terminée maintenant, c'est fini. La pagaille que vous étiez en train de faire là, c'est fini. Hé! Hey, on va vous démontrer par A plus B que personne ne parlera au nom de l'UFDC si c'est pas les gens qui, ça dit si c'est pas les autoritaires, ceux qui sont autorisés. Quelqu'un qui a une association, il n'a qu'à parler de son association. Si tu as eu une association, Jogido, Yeotefi, association, mon Sereg, Goto Hajaka, association, mon Yehe ko faladon, Wole ko faladon. En tant que on a dali ton UFDC, Goto Hajaka, mon. Hombo haja e mon. Ko hombo haja e mon. I don jodi e wigol parti on, ina parti lenyol. Voilà. Onon ko sellu dale wadi parti on parti lenyol. Kako onon fala wadde parti on parti lenyol. Ko onon fala jetu de ton, musik be mengo be tawaka. Hein? E UFDG fala uku de beton de wala jibu de kwa. Hein? Don si kude dum Marseille. Marseille ta. Ça ne marchera pas. Lundo ngai sondo. Si t'as eu affaire Wigol, ko wonde ma ko affaire Hulbingo. Lundo ngai hey. Ko meneng ini c'est interdit. Interdit. On va avoir ta wolu de nom de l'UFDC au Sénégal. C'est pas possible. Onong et puis minani la ina wonde ma. Vous allez comment dirais-je? Vous allez porter plainte. Si t'as eu haori go do wadi ni en. Meneng ko meneng important en plainte. Menenko bandi, nous on a affaire avec des bandits. Mamadi Doumbouya et Ousmane Gawal, des bandits. Wonbe on nel de ben. Nous c'est on a affaire avec eux. Kambe déjà mais d'important ni be plainte. On déjà on yé. On ande sérieux au sérieux au Sénégal yé. Vous allez voir. Nako nelabe yé. Mamadi Doumbouya et Ousmane Gawal ben do menen m'important ni be plainte. On a non dit un bébé neli ben yehé ton bah il faut y aller à Congandi mon yehé ton on tomate vous allez voir allez-y parler au nom de l'UFDG vous a on gande on tomate c'est à dire sari ala on a dit no way hulbin de godo hein on a no way hulbin de godo mais non mais c'est pas possible c'est une honte ça dit vous faites honte même. Et quand vous dites vraiment vous êtes allé à l'école mais moi ça me fait rire. Comment on peut aller à l'école et ne pas savoir même assumer ses responsabilités et ne pas savoir même, c'est-à-dire, et ne même pas avoir un peu de dignité.
C'est-à-dire, vous comptez sur l'argent volé. Vous comptez sur des voyous. Vous comptez sur des criminels. Alors que vous vantez d'aller à l'école. D'être allé à l'école, d'être des cadres, d'être des gens responsables. Non, quand on est responsable, même si on n'a pas de l'argent, on s'assume. Mais on ne suit pas des vagabonds. Nous, on ne va pas confier notre parti, à plus forte raison, notre pays, à des voyous. Aujourd'hui, c'est les voyous là, Bamadi Doumbouya, Ousmane Gawal, c'est eux qui ont pris la Guinée en otage. Et vous, vous êtes là, vous voulez quoi? Vous voulez nous parler de quoi? Vous voulez nous parler de quoi? Donc, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là. On a qu'à que aussi bien aux vidéos d'eau et à qu'à modo parce que ben d'eau d'un coup à la bédi boudé mais qu'on a payé avec au bédi bicon mais en dini ben non avec au in de saria béoné ou l'oude avare et n'en coup bandi ou condir d'un et n'en ina him be saria ina him be démocrate ou condir d'un et n'en coup bandi comme Mamadi Doumbouya et Ousmane Gawal quand ben haldi fouti. Be yalti ni mbudi la Guinée di ni be jibude fi bonnugol UFDC be jetta UFDC be jonna Ousmane Gawal après Ousmane Gawal jetta UFDC jonna Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya no haldi di e be hot Guinée ben wonde ma ko kanko wonata candidat avec UFDC kanko mo haldi e be hot Guinée ben ko kanko wonata candidat ko dum mo haldi de mabbe e inde UFDC wogo la mungum dum do ngon c'est sûr o endo tongo ko be konto e makko. On a dit que Walidade Ousmane Gawal, fio nun don lato. On a dit que be waraton ben duday. Bay don jogi pinka. Awasi tawi hauri. On hida saltin de hore mon. Fi mbudi ko jonna don, ko lannata. D'abord ido wajetu de mbudi di nyamo. Ko mbudi lagine bejeyadi ko bandi. Mbudi ko Ousmane Gawal jonni on konfo, do wajetu de maro. Ko mbudi la Guinée na mbudi mabbe mais kono waton tewo pass bonnon fi leydi monding tawe don e bonnobe jiba fi leydi monding ono jokku be Ousmane Gawal be fop on wata wiide ko gonga jokku don on wata wiide ko gonga jokku don dum ko fenande min ko mi yari yeta golondo ko yon accu parce que menem men jabata si fande yawrende faalo don hollude do men jabata few dum don koy hore amen rewton waro men si dum don lato ko dum wadi si mi inni son accali on waray dudube son accali on waray dudube parce que menen gogo men accata menen ko menen yata ko sariya na onon parce que onon ko bandi menen ko menen naba ton ko sariya. Vigol don jetti avocat merci haja vigol don jetti avocat hein dum ko haaju mon non meilleur avocat jette meilleur avocat hio merci beaucoup Lamine merci pour les cœurs donc onon si don jetti avocat dum ko haaju mon non parce que avocat don tiki ko inata on ko yon accu ko dum avocat jom wajoto on son jetti t-shirt ji di ngon watto yike inde UFDC ara yon toni avocat jom tigi ko dum yetoto on bay no ngido ngini don jangi moi je me demande par où vous êtes passé mais anda konto on don et puis wi yo bi no heba Senegal no jaddi Senegal no jodo no de sadir ou kondira e de criminel hein no fala jibu de men ko no fala ono ngido way e bindi do Ousmane Gawal e selu dale onon ngon ngini onon ko wawan non selu dalen ko votangol mo tum wawdo onon ko dum non tum menen men andi ko dum hadi selu lamo menen na votangol mo tum me wawi menen men impose ay selu on l'impose menen guinéen be ben falana be guiné ben hidube yo guiné émerge hidube nafa yo guiné en fop hetto menen men impose ay selu parce que c'est un homme d'état menen men heba tasifa o homme d'état do men fijira dum jamais de la vie. Il n'a pas de attirer l'aide. Une nation ne peut pas être gouvernée par n'importe qui. Ce n'est pas acceptable. Quand on dit, il y a un peu parce que n'importe qui est gouverné. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais est-ce que vous avez un peu de temps?
Mais est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez? Même si Ousou Falima, Harako Ousou Falima, Djogi, UFDG, mais Wolt Tafi politique, je ne parlerai plus de la politique. Parce qu'il y a bien des politiques là, ni au Bandiagal, tout est dit. Mais on parle des hommes d'État, comme celle d'Oudalé Diallo, vous l'égalez avec des voyous. On en a pas égal de Ousmane Gawal. C'est-à-dire Ousmane Gawal, si tu as un homme de Harao Espilza Noka, Harao Rada Noka, Harao Fouswada, Harao Problème Fouswada, non, hein? Si Ousmane Gawal hara ala no problem kanyunge sellu dalen Ousmane Gawal wada daro du de sellu si congré wadi no Ousmane Gawal ala no dole wadu gol won gol candidat wala den dole et der UFDG ene konto ye gitudon fi fode usu konto ye gitudon fi sellu balde konto ye gitudon fi ablaiba konto ye gitudon fi kalemodu ene Ousmane Gawal konto wa hikade yesobe konto Ousmane Gawal iway no emperoke un vaurien, un vanipier, un criminel, un malhonnête. Hay famille makon fopi minuma hino akitimo. Il vaurien sam anduno minuma dossier di makko komi jonna. Dossier di Ousmane Gawal. Son anduno dum. C'est parce que min vie privée makon ça m'importe pas. Sinado si meari no domi devalino vie privée makon on fopo ngakeno. Mais min je n'aime pas les vies privées des gens. Mais ça inni quoi bandi. Ça a dit je te casse la gueule. Voilà. Quand on voit quand Ousmane Gawal mine, je lui casse la gueule. Voilà. Parce que quand Bandiaga le fait la roule de Himbebe. Et ça ne marchera pas. Mais quand Ousmane Gawal et Mama dit Dumbuya me marre des affaires. On a un be parapara na de via beno nela no jedi avocat ko ni on to mar don buri ko jetton avocat. Na ko buri la gine den jonna don fi ko jibon on yaray. Parce que Saria no Sénégal, on va vous c'est nous qui allons vous poursuivre. C'est pas vous qui allez nous poursuivre. Quand on fait la arde jiba sou damendo. Bayi don wondi e bandi on ganda non dem pinkaje don den ko lagine jeede te ko bibbe lagine benkade immoto kadi demonta on pièce par pièce Mamadi Doumba il va être démonté par les guinéens les citoyens guinéens les patriotes guinéens nyande go wete nanon be démontimo nyande go wete ko min ilo e la diaspora hala ni ondo Ousmane Gawal Ousmane Gawal nyande go wetay be nodde telephone be na mama di dumbo ya demontama den nyande no hala mi do humpama an Ousmane Gawal Ousou Falima den nyande mi do humpama nyande be nodduma telephone be nya mama di dumbo ya yotama on tellement ko woni fojo ko don go nata non c'est pas vrai ko fenande ko fake news ko don go nata ko fake news tellement que il est pourri tellement que mo nati ko wata yaltude si mama di dumbo ya baby nama do joni minuma fi makon eliminama do joni Ousmane Gawal si hala nama yedde taw oyna c'est pas vrai bay monati ko yaltata aduna Ousmane Gawal hande si lamu Mamadi Doumbouya ngudo lanni ngudo ngu yari follere deza ko andito ngono jokkube Ousmane Gawal on fouti Ousmane Gawal kanko c'est fini pour lui parce que lamu yargu follere on est daranade fi halku gol guinembe ben fi war gol guinembe ben fi gibu gol kadi parti politique pour do mawnu de der la guinéon on andi o gayni ko honto hande kadi o sutoto si Mamadi Doumbouya fi na lanni Mamadi Doumbouya naborim c'est fini pour lui hay goto ala haji Ousmane Gawal joni non hina Sénégal ya hoita wura hina Côte d'Ivoire hina France do hina hont hay nokku ay ko ko wonda wadde do Ousmane Gawal hey eton de map si sa nani Mamadi Doumbouya elimina matu si la jogi finkar jetu wala do ya ha de wotere lan ni se fini a baragnon lan no don de wotere parce que je te le jure minuma Ousmane Gawal c'est fini pour toi parce que kala faute de ma démonter min comme hi himbe fala be ma démonter de ben an anda tuno dum foti min comme won ma wolande himbe fala be ma démonter de ben no dudi abo anyande go te bada France do on tumate ande jodo do mi andi da circle de do da sudo do den circle nyande ngay satorous goddo hima do satorous nyande goddo hima do e restaurant moi je sais moi tout est pas je sais yow Turquie arta binuma wonno nyande rego ayay imbe ben fop yay ko live ko Facebook situation mao donc haray mes chers compatriotes mes chers amis le combat continue haray en fuda kitaw haray kambe fala be jibude ben woni France do
woni comme Angola nyande ngoyi Angola ko feddi don kon woni Côte d'Ivoire woni honto de kala ko be organize woni Sierra Leone woni Liberia kala watti do t-shirt UFDG si tawi na lami do don UFDG autorise dum hollemo ko onon woni militant et sympathisant de l'UFDG yehe hala no saria on taw hala non ko hala yon ko police hala yon ko gendarmerie avisombe si be fijiri démontombe voilà kala watti do don t-shirt UFDG démonté on tigi voilà ko min wi dum kala watti do t-shirt UFDG harana fédéral jo on na lami do UFDG on autorise harana kanko autorise on meeting donc kala watti do don t-shirt e casquette tum fi UFDG fi sabutugol démonté on tigi voilà allez-y d'abord porter plainte avisombe wado me couranton ko police et ko gendarmerie lanni de déjà UFDG jettino disposition jidi fop leyde dem fop disposition jidi jettama onon non bayi don sikude wondema on waway foutenade men harame den wuri meden selli dum ko samakalano dum ko samakalano menen ina sellu men habbi menen ko menen hatto ginni e sellu menen ko menen wadanta hore amen golle amen den men habbaki o sellu wi men ay fus onon ko onon habbi Mamadi Doumbouya Jonne Ousmane Gawal Mboudi o jonna nous on n'attend pas ça on andi ko don non surtout den ko don andi to non onon ko fenande jokkudom ko bandi jokkudom et puis don hala fi saria acce men men hala fi saria on ganda e buri ko jonna don kon ko buri amen vous pensez que nous menen ko men fetu bene menen on buram embarki menen ande si meden fala no jamfagol jama lagineum me wonde ne Mamadi Doumbouya menen ka kala ko men landi mo jonna men mais kono menen na men bandi nous notre combat c'est pour l'intérêt général et der on intérêt général donc intérêt amen on ko ton non yaltata ko si jab ko miyagol fi jama fo ko amen kon kadi yalta der ton mais na yowgol do joni si do fala mi kadi mi do ay wiide Ousmane Gawal accu golli den Ousmane Gawal si mi walen ko noru tew mi halanta mo accu men gollida mi wallito mo men jiba leydi ding men bonna leydi ding mi wada siba ko wonno wadde kon donc voilà